Please be seated. The call is now in session. And again, the floor is given to the defense team for Keo's opponent to put further questions to the witness and counsel. You may proceed. Call them on. Thank you, Mr. President. And Mr. Kevkin, allow me to continue putting questions to you. Before the break, you spoke about your core duties and the workshop. And sometimes you had to go to the rice fields to assist the peasants. Aller prêter main forte aux paysans dans les rizières. You went to work at a work site in February 1976, and it means that you went through three rice farming seasons through to 1978. Did you go to assist the peasants with their rice farming annually during the 3 years period? Chaque année, pendant toute cette période? Answer, no, not every year. Sometimes I did réponse. Not go to help them with their rice farming. Je suis parfois allé leur we only went there when we did not have many tasks to do y aller lorsque nous n'avions at pas the work site. D'autres tâches à accomplir. So sometimes we went down to the rice field parfois for one or two days to assist those peasants. Jours pour prêter main forte à ces paysans. Question. Did you mean you only assisted the peasants one or two days per year, or per season, or per month? Can you please clarify? Qu'un ou deux jours par an, ou bien par mois, ou par saison? Pourriez-vous préciser, s'il vous plaît? Answer, it's only after the rice seedlings were fully grown, then we would assist the peasants with its transplantation. Pour le repiquage. Questioned, and for one farming season, how many days did you go down to assist the peasants with their rice farming? Combien de jours alliez-vous prêter main forte aux paysans pendant la saison? Answer, sometimes it was 2 days or 3 days, and when I said two or three days, ou I only refer to a morning jours, session je per de each la day. Matinée uniquement. Question. Question. So if I make a calculation for one annual rice farming, si calcul, you went down to assist the peasants for three or four days, and each day jours, you spent about saison, and half an hour only. Does it mean that annually you only spend 2 to 3 hours assisting those rice farmers? Que deux à trois heures. Answer, that is correct. Réponse, c'est exact. Question, let me now turn to the garage question. That you worked in. J'en viens maintenant au garage. A while ago, you described about the size of the garage. Vous avez parlé de la taille de ce garage. But I did not get the full details. Could you please elaborate a little bit further? How many days did it take you to make a complete construction of that garage? Pour que vous construisiez un tel garage? Answer, it took us 6 to 7 days to complete the work. Jours pour terminer le travail. Question. So it took you 6 to 7 days, that is a month, the 10 of you, to complete the garage. Tous les 10, and vous aviez donc besoin de 6 ou 7 how big was the garage and ce, how many vehicles can pack in that garage? De ce garage et combien de véhicules pouvaient y tenir? Answer, the size of the garage varied. Some would be 10 meters long, while others could be 12.
D'autres 12. And about 10 trucks or 10 vehicles could pack in each garage. However, the number of vehicles packed varied as some vehicles came and others left. Question. You said that you didn't have time to rest as you kept working or building garages. Can you tell the chamber how many garages you constructed in the 10-man unit or group per year? À 10 par an. And I cannot tell you that as I cannot recall it. Je ne peux pas vous le dire parce que je ne m'en souviens pas. We kept on building those garages and move on building some more. But we didn't count how many we had built. Combien de garages nous construisions? Question now on the various types of heavy machineries. And a while ago, you said that you didn't know the specific models of various vehicles, but you were quite familiar with make and models of heavy machineries. Can you tell us a little bit further on that? Informé en la matière. Pourriez-vous nous en dire plus? And mostly they were tractors. Réponse. Il s'agissait surtout de tracteurs. Of tracks. Et de camions. There were not many rollers. Il n'y avait pas beaucoup de rouleaux compresseurs. When I refer to tracks, I refer to us carrying tracks. Parce que je parle de camions qui transportaient de la terre. Question. And when you build garages to accommodate those vehicles, did you notice that new machineries kept arriving successively while you were still building garages? Arrivaient en permanence sur le chantier? And said yes, oui. More machineries arrived and they were new. There were many of them, but I cannot tell you the figure. Tout neuf, je ne peux pas vous donner de chiffres. Question. Did those new machineries arrive frequently? Arrivaient-ils fréquemment sur le chantier? Pourriez-vous nous le dire? Answer. Every 2 to 3 months, a new batch of vehicles arrived, and there would be 30 to 40 or 50 vehicles. Il y avait peut-être 30, 40 ou 50 nouveaux véhicules. But I cannot tell you which month they arrived. Mais je ne peux pas vous dire quel mois ils arrivaient. And they would be packed in the garage. Ces véhicules étaient garés dans le garage. Question. Now I'd like to move on the issue of security forces. J'en viens maintenant and à la you question mentioned des forces that de sécurité. Security forces were provided to guard the Chinese delegation at the Kampong Chenang airfield worksite. Sur le chantier de Kampong Chenang. And besides the security forces provided to the Chinese delegation, were there other security forces working at the Kampong Chenang airport website? Sur le chantier de l'aéroport de Kampong Chenang? And I only observed that there were security Réponse. Forces to provide protection to the Chinese delegation. J'ai simplement vu les or if there were, they were elsewhere that I could not chinois, see them. Délégation chinoise. Je n'ai pas vu d'autres agents de sécurité. Question. Question. Allow me to go back to your garage building work. J'aimerais revenir you à mentioned votre that you built garages around the premises of the airport worksite. And when you relocated from one location to another, did you observe that there were new faces within the security forces for the new site that you had to build the garage? Venu parmi les forces de sécurité affectées
No, I did not see any new security forces besides the ones that I mentioned earlier, that is those who provided protection for the Chinese delegation. Question. This morning, at around 11 hours 15 minutes, you provided an answer about people being killed for committing moral misconduct, namely sexual intercourse. Can you recall a specific example of a moral misconduct whereby the offenders were smashed or killed? D'un acte d'inconduite morale qui aurait fait que l'auteur aurait été écrasé ou exécuté. I saw people réponse. Being taken away, accused of committing moral misconduct. Après avoir été but I did not know those people, and I saw them being taken away for that offense. And I did not know where they were taken to after they had been arrested. Question. And can you try to recall some names of those who were arrested, as well as the names of the ones who authorized the arrest? Ou bien des noms qui, de personnes qui avaient autorisé ces arrestations. And no, I cannot recall the names of the offenders, nor the names of the ones who authorized the arrest, as I did not know them. Leur arrestation. Je ne les connaissais pas. Question. Can you try to recall a specific period or an event where such moral misconduct took place during the time that you were working at the Kampong Chenang airport of that site? For example, which month or which year? Pouvez-vous nous donner un mois ou une année? And so I cannot recall any specific event in relation to this moral misconduct. En particulier lié à une inconduite morale. It had happened several years ago. Cela s'est passé il y a de nombreuses années. Question. You had spoken about your core task. That is building garages, about lending your hand to peasants, and about uprooting trees. Did you have time to go freely here or there, or to wander outside the premises of the airport project work site? For example, to go fishing somewhere else outside the premises or the pêcher, compound? Par exemple, à l'extérieur de l'enceinte. Answer, no, I did not. I réponse, only stayed non. Within the premises of the airport or work site. Je suis resté and sur if one le were to go outside, de l'aéroport. The person needed to seek authorization first. Sortir, il fallait commencer par demander l'autorisation. I only had a little bit of resting time, and then I je had to resume de working repos again. À ma disposition avant de devoir, I didn't dare to go travail. Anywhere, as I was afraid that I would be later to return j'aurais peur to work. De rentrer trop tard pour me remettre au travail si j'étais sorti. Question. In your written statement question. Of interview, that dans is document E3/5273 at page 5 in the Khmer language, Khmer. And it is in fact page 5 across all the three languages, and allow me to give you a quote of your statement, free translation. I went to visit the office of Le Vey at the Kampong Chenang airport worksite, and I saw they pointed guns at the people and arrested them. It happened at around 6 or 7 p.m. During such arrest, Le Vey was always present. End of quote.
Do you still stand by your statement about witnessing such an arrest? Avoir vu ces arrestations, avoir été témoin de ces arrestations? Answer, yes, I do. My workplace was about only 100 meters from where it happened. Quelques centaines de mètres de là. And I saw the arrest, and those people who were to be arrested were called to enter his office. Les personnes qui étaient arrêtées devaient entrer dans son bureau. And tossed onto the vehicle. Elles étaient arrêtées et devaient monter à bord d'un véhicule. Counsel interrupt. Yes, we have heard that you saying about that. Nous vous en avons entendu parler. And my next question is the following. Ma question est la suivante. You said your location was near the location of the way, but you mentioned earlier that you did not stay at one fixed location. So could you please specify the location that you said was close to where it happened, that is near the way's office? Lorsque vous étiez près du bureau de Levey où cela s'est produit. Answer. It was at Toul Ampe when c'était I went to have a bath. J'étais allé I me saw doucher. What happened. Et c'est là que j'ai vu ce qui s'est passé. And the area, that place was not far from where I was standing. Cet endroit n'était pas loin de l'endroit où je Question. Me tenais. Question. So you said you were at Toul Ampe when vous you saw what happened. And where was Toul Ampe located in relation to the overall size of the airport work site? Answer, it was through the southwest of the airport work site. It was just across a road. And that area was where the people came to obtain fuel for their vehicles or machinery. Question. You stated in your written record of interview that you went to visit the Levey's office, but now you said that you actually went to take a bath. Which one is true? Laquelle de ces versions est-elle Answer, correcte? In fact, I went to have a bath. J'étais effectivement I went to the west direction, and then I saw what happened. J'étais allé à l'ouest pour me baigner, et c'est là que j'ai vu ce qui s'est produit. And it was not my intention to go to visit his office. Je n'avais office. Pas l'intention de me rendre dans son bureau. Question. How far was it from the place that you had a bath and the Levey's office? Quelle distance séparait-elle le bureau de Levey de l'endroit où vous êtes allé vous baigner? Answer. It was about 100 meters. Réponse. Une centaine de mètres. And it was in later afternoon when C'était I went to d'après-midi. Take a bath. Je suis allé me baigner en fin d'après-midi. Questioned. Now I also refer to your document, and it is on page 6 across the three languages, and allow me to quote free translation. I saw a convoy of eight true jeeps came to visit the work site a few times, though I didn't know those people who were on the jeeps. End of quote. I know that you didn't know who those people were. J'ai bien compris que vous ne saviez pas de but at least, can you tell the court whether they were foreign visitors or whether they were Cambodians? Ou bien de Cambodgiens. Answer, it was likely that Réponse. They were all Cambodians. C'était probablement tous des Cambodgiens. But I don't think they were foreign visitors. Je ne pense pas qu'il s'agissait de because the convoy went up and down.
ce qu'on voit aller et venir. Question. Are you familiar with the A2 jeep? Is it a military or a civilian jeep? S'agit-il de jeep civil ou militaire? Answer. The A2 jeeps are military, not civilian. Il s'agit de jeep militaire, non pas civil. They existed in smaller form, and they were the military jeeps, and people on the jeeps were armed. Militaires et tous les hommes qui étaient à bord Question. Étaient armés. So you just said people on the jeeps Question. Were armed. Vous venez de dire were que they les personnes qui étaient à bord military de ces jeeps étaient officials? Armés. S'agissait-il de responsables militaires? Yes, that is correct. Réponse, oui, c'est exact. Thank you, and Mr. President, I am done, and I'd like to cede the floor Maître to my international colleague. Merci, Monsieur le President, j'en ai terminé. Thank je cède la parole you, and yes, Council, you may proceed. Le Président, je vous en prie. Bonjour, Monsieur le témoin, je m'appelle Antagissé et je suis un co-avocat international de Monsieur Kesampan et j'ai quelques brèves questions complémentaires à vous poser sur votre déposition. Vous avez indiqué que vous avez travaillé à la construction de garages pour des véhicules servant aux travaux sur le chantier. Dans la mesure où vous apparteniez à la division 502 de l'armée de l'air, je voulais savoir si vous avez vu des hangars sur ce site de l'aéroport dans lesquels il y avait, outre des avions, des hélicoptères. No, I did not see any helicopters. I only saw vehicles. Non, je n'ai pas vu d'hélicoptères. Je n'ai vu que des véhicules. Et en dehors des hangars, est-ce que vous avez vu arriver sur le site de l'aéroport à une quelconque reprise un hélicoptère décoller ou atterrir? A helicopter either land or take off on the airfield. No, I did not see any helicopter taking off or landing. Ni décoller ni atterrir. Vous avez évoqué le VEI comme supérieur hiérarchique. Vous avez également évoqué dans votre déclaration, et je pense à l'audience, le commandant Met. Est-ce que vous vous souvenez s'il y avait d'autres supérieurs hiérarchiques qui étaient présents sur le chantier de l'aéroport? Non, ils n'étaient pas nombreux. Namely, Levi and Maid. C'était Levay et Met. However, Levay was always stationed at the airport worksite. Était toujours en poste sur le chantier de l'aéroport. J'ai cru comprendre, avoir noté, en tout cas dans mes notes, que vous avez évoqué un certain Yang. Mais alors déjà, est-ce que vous avez, oui ou non, souvenir d'un certain Yang comme responsable également sur l'aéroport? Yang actually worked at the economic section that is at the kitchen hall. And he actually came from Kampong Chenang. Il venait de Kampong Chenang. I only saw him when I went to the kitchen. Et je ne l'ai vu qu'en me rendant en cuisine. Je vous pose cette question parce que nous avons entendu hier
un témoin Chanman, alias Kui, je crois que vous le connaissez sous son surnom révolutionnaire. Et il nous a expliqué que Yang, lui, était le chef du bureau du chantier et que c'était lui qui, au quotidien, avait quasiment tous les pouvoirs. Ce n'est pas votre souvenir ? I do not have that knowledge. I do not know that he was in charge of the office there. Je ne sais pas s'il était en charge du bureau là-bas. Because I heard and I saw him at Kampong Chenang. Je l'ai vu à Kampong Chenang. And I knew that he was in charge of logistics or transporting food supply and logistics. Le témoin de Chanman nous a expliqué que c'était lui qui répartissait le travail au niveau des différents soldats. Est-ce que vous savez s'il a été amené à prendre des décisions sur l'unité de transport et de transport et la répartition de travail, notamment avec votre unité? Personally, I was not aware of that, as I rarely saw him at the time. Je le voyais très rarement à l'époque. If I knew about it, I would tell you. Si j'étais au courant, je vous le dirais. But I did not know as to his specific position within the site. Je ne connaissais pas son poste précis sur le site. Vous avez indiqué, répondant aux questions plus tôt ce matin de M. le Comprocureur et de ma consoeur des parties civiles, que Chanman était chauffeur et qu'à votre connaissance, il n'avait pas d'autres fonctions. Est-ce que vous savez s'il avait des relations privilégiées avec le commandant Met ou un quelconque autre membre de la hiérarchie supérieure? Or other high-ranking officers. I saw Chan Mon working and staying close to Le Wei. Qui travaillait tout près de Le Wei. And sometimes he was with Met as well. But later on, I did Parfois not see him, so également. I had no idea Mais as suite, whether he had been assigned to work elsewhere. Été envoyé travailler ailleurs ou pas. First, I was transferred to work at the work site, départ, and then I saw Le Wei also came to supervise the work site, and I could not say chantier. About the assignment Mais of that person, that is Chan Mon. Des tâches confiées à Chan Mon. Je vous demande ces précisions parce que ce matin, vous avez indiqué qu'il y a un moment où Chanman aurait perdu la confiance des chefs. Donc, je voulais savoir sur quoi vous vous fondiez pour dire ça. Who was in charge? How did you come to that conclusion? Wow. Chanman himself told me about it. M'en a lui-même parlé. That trust had been withdrawn. Il m'a dit que la confiance qui avait été placée en lui par Le Wei. As we had tendencies with the previous regime, and that's all how I know. Par rapport au régime précédent. Voilà tout ce que j'ai su. Et à quel moment est-ce qu'il vous en a parlé? And when did he speak to you about that? He spoke to me not long after before the arrival of the Vietnamese troops. Avant l'arrivée des troupes vietnamiennes.
At that time, the Vietnamese troops were advancing toward the area, and we didn't have to do anything else but to pack our belongings. And that's when he told me. Est-ce que je dois comprendre que c'est pratiquement au moment de votre fuite qu'il vous a parlé de ce retrait de cette confiance? The trust was withdrawn before the arrival of the Vietnamese troops, 3 or 4 months before that time. And I knew that the trust was withdrawn because this individual, Jan Mon, no longer worked with him. And I did not know what happened and why Jan Mon was removed. Ce que je comprends, ce que j'ai du mal à comprendre, et que je vais vous demander de préciser, c'est à quel endroit vous avez eu cette discussion si Jan Mon ne travaillait plus avec le Veil. Il ne travaillait plus avec le Veil, mais il était toujours sur le site de l'aéroport. He was still working at the airfield, and I did not know which squad he was in, and I saw him while I was playing. Perhaps he was driving a vehicle. I could see him as a driver, and we met each other when we played. Je vous pose toutes ces questions, monsieur, parce que hier également, Jan Mon nous expliquait qu'il aurait été arrêté à un moment sur le chantier, qu'il aurait été envoyé à S21 et que Le Veil et Met seraient venus le récupérer par la suite à bord d'un hélicoptère. Donc a priori, ça ne me semble pas être une marque de défiance. Je voulais savoir si vous aviez eu connaissance de cet incident et si vous en avez parlé au moment où vous avez eu cette discussion au moment de la fuite à l'arrivée des Vietnamiens. I did not have any discussion. I had never met him before the time that I fled that place. Le moment où j'ai fui cet endroit. I did not know that he was arrested. Je ne savais pas qu'il avait été arrêté. Je ne comprends pas comment vous me dites que vous ne l'aviez pas rencontré avant la fuite à l'arrivée des Vietnamiens, puisque vous avez dit auparavant que vous saviez qu'il était chauffeur. C'est ce jour-là que vous avez su qu'il était chauffeur? Vous n'aviez jamais vu avant? Mr. President, President, please wait, Mr. Whitney. You may now proceed, International Deputy Co-Prosecutor. Oui, j'ai l'impression que la question va entretenir un certain flou parce que il y a différents moments. Il a dit qu'il ne l'avait jamais rencontré avant. Auparavant, il a bien dit qu'il était sur le site et qu'il travaillait avec Le Veil. Donc, il faudrait peut-être dans les questions séparer les différents moments pour que ce soit clair, parce que sinon on va tourner en rond et on ne va pas sortir de cette Là, en l'occurrence, je ne sais pas si c'est vraiment une objection de M. le coprocureur, mais
Ben, c'est précisément parce que c'est confus que j'essaye d'avoir des précisions. Je pense que mes questions étaient claires. Et je ne fais que essayer d'obtenir des précisions. Donc, c'est pas moi qui introduit la confusion. Au contraire, je pense que j'essaye de clarifier. Donc, je pense que ma question était légitime. Je demandais précisément à Monsieur le témoin de clarifier à quel moment il avait vu Monsieur Chapman pour la première fois. Had seen Mr. Chapman for the first time. Nomad Lu. Witness, I could not hear the question. Témoin, je n'ai pas entendu la question. Monsieur le témoin, je peux comprendre que vous aviez un problème d'écouteur, donc je vais répéter ma question. Je n'ai pas compris de vos réponses précédentes à quel moment vous avez rencontré Chapman pour la première fois. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre à quel moment vous l'avez vu pour la première fois? When did you see Chapman for the first time? I could not hear. Réponse, je n'ai pas entendu. I could hear only the interference in the audio system. Dans le système audio. Est-ce que vous m'entendez? Can you hear me now? Je vois que vous hochez de la tête, donc je repose ma question. I see that you're nodding. Je n'ai pas compris de vos réponses précédentes à quel moment vous avez rencontré Chapman pour la première fois. Est-ce que vous pouvez préciser cette information? Can you be specific about that, please? Answer. I met him for the first time when he was a driver. He was coming from somewhere and he parked the vehicle at my place. Et il a garé son véhicule là où j'étais. I met him only once. Je ne l'ai rencontré qu'une fois. Quand vous dites que vous l'avez rencontré qu'une fois, c'est la fois où vous étiez en train de fuir les Vietnamiens ou c'était une fois avant? Fleeing the Vietnamese or was it before? Answer. Réponse. Two or three days before I was fleeing, during that time we were getting ready to flee. Nous étions en train de nous préparer à fuir. I was packing my materials and he was prepared to flee from the place. We had never met each other before, but only that time that we could meet. Nous ne nous étions jamais rencontrés avant, c'est la seule fois. Il me semble me souvenir que vous avez indiqué que lorsque vous êtes entré dans la Révolution, vous avez été messager. Vous n'étiez pas messager de l'éveil? Yes, I was his messenger. Oui, j'étais son messager. I had been his messenger since 1974. Depuis 1974. When I joined the force, a few months later, I became his messenger. Quelques mois plus tard, je suis devenu son messager. And I was his. Before I was transferred to the airport, I was a messenger for Le Wei. Je vous dis ça parce que il me semble que vous avez indiqué qu'il n'y avait qu'entre 4 et 10 messagers à ce moment-là dans l'unité dans laquelle vous travailliez. Et M. Chapman a expliqué que lui aussi, avant
1975, il avait été messager de l'Evaï. Vous ne connaissez pas cette période-là. So, didn't you know him back then? Answer. I did not know him before then. Je ne le connaissais pas avant. Before 1975, when I was a messenger, lorsque j'étais messager, I met him only once during the time that we were about to flee. Au moment où nous nous apprêtions à fuir. Perhaps he may have been living in the place near my village or near my place. Ou près de ma maison. Et si je comprends bien, donc, la première fois qu'il vous a vu, il vous a fait des confidences sur la perte de confiance dont il aurait fait l'objet de la part de l'Evaï, c'est bien ça? Levey avait perdu on him, and he told me that he was removed to another place. Retiré pour être and I understand endroit. From his statement that because the trust was removed and he was transferred elsewhere. La confiance qu'il avait été transféré ailleurs. Mais, et ce sera une de mes dernières questions sur ce point, this vous me confirmez qu'il n'a pas parlé this, so avec vous d'une éventuelle arrestation, ni d'une arrest, mesure, une opération de sauvetage en hélicoptère kind of dont il aurait fait l'objet. Was, tell me about his possible arrest or any rescue operation. I did not know, and I was not told by him at that time. I also do not know when he was arrested. And I have no idea who came to rescue him. Je ne sais pas non plus qui est venu le secourir. Sur un autre point, monsieur le témoin, maintenant, vous avez évoqué les différentes tâches que vous avez occupées avant et pendant votre séjour sur l'aéroport de Kampong Chhnang. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire que, en dehors de votre rôle de messager et de soldat affecté à l'unité de transport, vous n'avez pas assuré d'autres fonctions officielles au sein de l'armée Khmer Rouge? Within the Khmer Rouge army. Answer, no. Réponse, non. I only did the work as I told the court already. J'ai fait le travail que j'ai mentionné à la chambre déjà. I was focusing on my work at the garage. Sur mon travail au garage. Il est exact de dire que vous n'aviez aucun grade particulier. That you had no particular rank. Answer, no, I did not have any particular rank. And Chan Mon knew about this. I held no rank at all. I was simply a combatant. J'étais simplement un combattant. Vous avez indiqué que vous n'avez jamais assisté à de grandes réunions à l'aéroport de Kampong Chhnang, mais par contre, vous avez assisté à de petites réunions de votre unité de transport concernant l'exercice de votre travail. Dans ces conditions, est-ce que nous sommes d'accord pour dire que vous n'avez pas les moyens de savoir comment prenaient les décisions de la hiérarchie ni quelles décisions ils prenaient? The decisions and which decisions the Est-ce hierarchy que, would take. Cette affirmation est exacte. Is that so? Answer, yes, that is correct. Réponse, oui, c'est exact. Tout à l'heure, lorsque vous avez été interrogé par mon confrère de l'équipe du Nunchea
sur le nombre de divisions, le nom des divisions, les différentes unités, bataillons et squads qui composaient l'armée, vous n'étiez pas en mesure de répondre parce que vous n'avez pas reçu de formation sur la composition de l'armée. Est-ce que cette information est également exacte ? Answer, yes, that is true. I have no idea. Et il est également exact de dire que vous n'avez pas de formation en renseignement militaire et que vous ne savez pas quelles étaient les informations que les échelons supérieurs pouvaient avoir en matière d'espionnage ou autres renseignements. Est-ce que nous sommes d'accord? Answer, yes, I agree to what you have just said. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. I did not do any other tasks besides those I mentioned already. Je voudrais terminer mes questions par quelques points sur les conditions de travail telles que vous aviez évoquées dans votre déclaration. E3-5273, ERN en français 00, 355-858, ERN en Khmer 00-28-29-43, ERN en anglais 00-29-05-02. Voilà la question qui vous est posée. Comment était le régime alimentaire des ouvriers du chantier de la construction de cet aéroport ? Votre réponse a été : concernant mon groupe, la nourriture était raisonable, mais quant aux autres, je ne sais pas. Est-ce que vous confirmez ce point ? Que vous ne saviez pas pour les autres groupes, mais que pour vous, c'était raisonnable, sans bien sûr, j'imagine, au sortir de la guerre, être extraordinaire, mais est-ce que vous confirmez le terme raisonnable ? Oui, je me souviens des rations alimentaires. C'était pas précis. Je ne sais pas si ma question était pas claire. Est-ce que vous confirmez ce que vous avez indiqué, à savoir que la nourriture était raisonnable ? Je m'en souviens. Est-ce que vous connaissez, vous avez évoqué, pardon, des garages qui étaient construits à quelques mètres du site de l'aéroport ? Est-ce que vous avez été amené également à construire des garages pour le carburant, là où, enfin, des garages ou en tout cas des entrepôts où on entreposait les réserves de carburant ? I only built the garage for parking cars, and as for other garages, they had all built before I was there. Est-ce que vous avez connu un soldat qui s'appelle Sun Cheng? Alors, je l'appelle S-R-U-N. S-R-U-N-C-H-E-Y. Answer, yes, I know this individual. Dans une déclaration E3-55-26, il évoque le travail de nuit, j'ai compris, de
votre déposition que vous indiquez que vous travaillez régulièrement de 19h à 22h. Voilà ce que lui dit et je vous demanderai de réagir. Je vous poserai une question par la suite. Donc c'est les questions sont numérotées, c'est la question réponse numéro 10. Voilà la question qui lui est posée. Est-ce que vous pourriez nous raconter, monsieur, comment étaient les conditions de travail, le régime alimentaire, le traitement des malades et les jours de congé des soldats qui ont travaillé là-bas? Sa réponse a été la suivante. Le travail a commencé à 6 heures du matin et a duré jusqu'à 11 heures. Ensuite, c'était la pause pour le déjeuner. La reprise du travail était à partir de 13 heures jusqu'à 17 heures. Puis c'était la pause pour le dîner. Ensuite, il y a eu une réunion quotidienne. Après la réunion, les soldats devaient se reposer jusqu'à l'aube. En revanche, il y avait des équipes pour le travail nocturne aussi. Ceux qui travaillaient le jour ne travaillaient pas la nuit. Fin de citation. Est-ce que, monsieur, dans votre unité, ce régime différent d'équipes de nocturne et d'équipes de jour n'existaient pas? Et est-ce que vous savez, comme le dit Sanchez, si cela existait dans d'autres unités? Answer. I work at night, and there was an individual working at night. He was working at the warehouse where there was fuel. There were many people working. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient. Je vais essayer de reposer ma question de façon plus précise. Dans sa déclaration, Sruchet fait une différence entre les équipes qui travaillaient le jour et d'autres qui travaillaient la nuit, en disant que ce n'étaient pas les mêmes. Ma question est de savoir si dans votre unité, il n'y avait pas de différence entre les équipes de jour et les équipes de nuit. Réponse. Actually, people worker who worked during the daytime, they had to work at night time as well. Aussi travailler de nuit, in my teams. Dans mon équipe. As I stated, during the daytime, I built the garage, and at night time, I had to work. And in another team, this individual was a handicapped man, and he was only assigned to fill up the tank of the vehicle. On avait assigné la tâche de faire. He did not work at night. Seulement, il ne travaillait pas la nuit. Est-ce que il est exact de dire que vous ne savez pas ce qui se passait dans les autres unités ailleurs que dans votre unité de transport? Réponse, je ne sais pas. Vous ne savez pas ce qui se passait dans les autres unités. Vous ne savez pas si c'est exact. Je sais pas si j'ai un problème peut-être de traduction. Maybe there's a problem here with vous ne savez pas ce qui se passait dans les autres unités. On est bien d'accord. I'm asking you. You did not know what was happening in the other units, right? It is true. I only knew what happened in my group, and for other group, I have no idea. Et on est d'accord que au sein de votre groupe, il y avait une dizaine de personnes, c'est bien ça? Is that true? Answer.
Yes, there were 10 of us. Réponse, oui, nous étions 10. Vous avez évoqué brièvement les unités de protection les délégations chinoises. For the Chinese delegations. Est-ce que vous vous souvenez d'un... So do you remember, est-ce que vous savez s'il y avait parmi les membres, les gardes affectés à la délégation, un garde du nom de Kut, pour les interprètes, c'est écrit en français, en phonétique, K-U-O-T. Peut-être qu'en anglais, ça s'appelle U-T-H. Maybe in English you say U-T-H, Kut, Kut. Answer, I do not know this person. I do not know the person by the name Kut. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de difficulté, je vais demander à mon confrère Kong Samon de prononcer le nom pour être sûr qu'il n'y ait pas de difficulté. Bah, c'est moi, Kun. Counsel, thank you. The name is Ot. Witness, if it is Ot, I know, but I do not know the person by the name Kut. Et est-ce que vous l'avez rencontré à plusieurs reprises? Did you meet this person often? No. I never met him, but I heard there was a person by the name Ot. Je sais qu'il y avait une personne qui s'appelait Ot. Et qui travaillait à l'unité de protection, c'est bien ça. In the protection or guard unit, is that correct? Answer, yes, he worked in the guard or protection unit. I have never met him. Je ne l'ai jamais rencontré. Est-ce que vous vous souvenez si pendant la période où vous avez été sur le site de l'aéroport, si à un moment donné, des soldats ont été envoyés pour combattre dans le cadre du conflit avec le Vietnam. To fight the Vietnamese. Answer, I do not know about this. Je n'en sais rien. I do not know which soldier was sent to fight against the Vietnamese. I have no idea. Je ne sais pas. And when the Vietnam came into the country, I realized that some were sent to fight the Vietnamese, and I did not know before that. Est-ce que vous avez connu un soldat qui s'appelle Kong Kim? Kong Kim? K-O-N-G, plus loin, K-I-M. K-O-N-G, then K-I-M. Answer, I do not know the person by the name Kong Kim. I do not know where he is living and where he was at the time. Je voudrais vous citer... un bout d'une de déclaration qu'il a donné aux enquêteurs des couches d'instruction et vous posez ensuite une question. Il s'agit du document E3-3959, ERN en français 00486100. ERN en Khmer 00270 27 0 27 0 168, ça se poursuit sur la page 9, et ERN en anglais 00278686. Je vais commencer à la question précédente. Je vais vous citer deux questions-réponses, sachant que c'est les mêmes ERN. Question.
À quel moment l'ANCAR vous a envoyé combattre les Vietnamiens? Je précise que Keo Kin a travaillé pendant quelques mois sur le site de l'aéroport et que c'est du site de l'aéroport qu'il a été envoyé pour combattre les Vietnamiens. Donc, question, à quel moment l'ANCAR vous a envoyé combattre les Vietnamiens? Réponse, sans doute au début de l'année 77. Les gens de notre groupe ont s'est organisés pour combattre les Vietnamiens. On est passé par la route nationale numéro 5, puis passé par Kampong Cham. Question. Avant de partir combattre les Vietnamiens, est-ce que l'ANCAR vous a parlé de la stratégie ou bien des raisons pour lesquelles vous deviez combattre le Vietnam? Réponse. Au début, à l'aéroport de Kampong Chang, il y a eu une réunion pour nous dire que les Vietnamiens ont tué beaucoup de Cambodgiens, ce qui était une souffrance pour nous. Les Vietnamiens nous ont envahis et sont arrivés jusqu'au Mekong. Ils ont brûlé des maisons, du pays. Durant cette réunion, j'ai été nommé chef de section, etc. etc. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez, à un moment, eu écho d'une réunion tenue par les supérieurs du site de l'aéroport au cours de laquelle on a évoqué le conflit avec le Vietnam? I did not hear about such discussion, namely the armed conflict, and I was not in the meeting. I was working in the airfield, and during the time that I was fleeing, I realized that there was armed conflict. Before that, I had no idea about the armed conflict. Je vous remercie, et Monsieur le Président, j'en ai terminé. Thank you very much, and Mr. President, I am done with my examination. President, thank you. The hearing today comes to an end. Le président, and, merci. L'audience d'aujourd'hui the hearing is adjourned now, and we will resume. Nous allons lever l'audience. It's tomorrow, on the Fridays, demain, 12 vendredi, June 2015, starting at 1:30 p.m. And tomorrow, the chamber will hear 2 TCW 932. Please be informed. Soyez-en informés. The chamber would like to express its sincere thanks to Mr. Keo Kin. Thank you for your valuable presence before the chamber. Your testimony will contribute to the truth, and your testimony, the hearing of your testimony, comes to an end now. You may be accused. You may return to your residence or to any place you want. I wish you safe trip home and all the best. Court officer, please work with Wesu to send Mr. Keo Kin back to his residence or the place or to any other place he wants. Security personnel are instructed to bring the two accused, Keo Sampong and Nguyen Chia, back to the detention facility of the ECCC, and please have them returned tomorrow before 1:30 p.m. The court is now adjourned. L'audience est levée.